J'espère que vous allez bien. Nous revoilà à Tini pour une nouvelle vidéo. Et pour la vidéo, on va vous un haul de chez Zafoul. Cette fois-ci, j'ai pris beaucoup de produits de chez Zafoul et je me suis dit, allez, je vais vous comme un haul pour vous montrer un petit peu un haul des maillots. Parce que c'est la première fois que j'ai regardé des maillots dans Zafoul. Je voulais vraiment tester la qualité des maillots, vraiment, parce que des boom partout, que je vois Instagram, Facebook, bref, partout. Et du coup, je voulais essayer parce que tout le monde dit que c'est waouh, c'est de la qualité. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, vu que j'ai parlé de maillots, je vais commencer avec les maillots et continuer avec la suite après. Alors, ben, déjà, une première remarque, je suis contente parce que Lucky Diru a les labels Hado. Genre, les vêtements de l'homme, parce que je l'ai dit, ils les faisaient pas. Enfin, comme je suis de l'homme, donc. C'est juste que tu sais un truc à réagir, mais maintenant on sait. Donc j'ai vraiment commencé avec une pièce de pas hyper. Et il se présente comme ceci. Passé de derrière. Je sais pas si vous pouvez voir comme ça. Mais voilà. Déjà c'est juste une histoire parce que effectivement, moi je pense que je mets normalement du M. Parce que étam je mets du M pour les maillots une pièce. Mais au chaud, je mets du S. Donc en fait, la taille, il y a l'image. Anna, j'ai pris du M. Juste, je me suis dit, là, on a M qui dit, ou on a S ou j'ai mis. Donc j'ai pris du M et j'ai mis parfait. Mais genre vraiment, là, ça prend le W. À part, ouais, les petits. Enfin, il y a des quelque chose en rien. Pas la khaji. Mais c'est pas méchant. Qui est une fille, donc il peut débricoler bien vite fait, mais voilà, la qualité est magnifique. Fait la doublure même d'après, donc je vais vous l'en montrer. Fait une doublure ici, donc voilà. Ça, vous sentez que c'est un maillot de vrai, genre, mais si je roule pas, juste à la va-vite ou l'estra, qui est des petites éponges ici, c'est pas des rembourrés, c'est juste des éponges indiennes. Et moi je préfère comme ça, ça laisse pas de traces parce que j'aime pas. Et voilà, avec les petits détails derrière et tout, c'est super magnifique. Donc là je passe au deuxième maillot et c'est un maillot de pièces. Donc c'est doux parce que sinon moi je peux mourir, ouais. Puis je suis pas bizarre en fait. Et donc voilà, le haut de l'eau des haracans. Ça c'est le derrière. Donc Tahada, il est magnifique. Fait une doublure Naya. Fait un gros élastique Naya. Kazah, mais vraiment Kazah. Si je suis pas comme je viens de dire tout à l'heure, ça va faire une petite éponge juste pour protéger. J'aime bien parce que ça me dérange moi. Alors le seul petit problème Tahada, c'est en fait avec les straps, les kinés, notre dame. Donc en fait ça reste un petit peu parfois une calme là chez les étudiants, mais c'est pas super grave, j'avoue c'est fixable. Mais parce que ça se dit, mais fixable. Alors le bas dialogue est halaka, qui est super stylé. Voilà. Il y a des petites ouvertures qu'on a sur le côté. Et il est magnifique. Il est magnifique. Quel est le petit défaut, mais en même temps ça passe. Vu le prix, par contre les prix je vais vous les mettre après, ou là je vais vous mettre les liens en barre d'infos des produits, parce que les prix m'ont pas cher. Alors le troisième maillot, et c'est pas un maillot pour moi, c'est pour ma copine, et du coup je peux pas vous dire grand chose à dire, à part le fait que voilà, il est mignon, il est joli. La qualité de l'eau, en fait, Naksa, si je suis là, sincèrement, elle a les deux autres. Mais c'est Naksa. Je sais pas aussi parce que le maillot des Haka, c'est général. Naksa, ou là, mais voilà, genre, Kérir, Witat. Naya, c'est kind of brodé, c'est joli, c'est mignon. Tu vois, fait la doublure, fait la petite éponge, mais c'est hyper bizarre, genre, rien à dire. Mais voilà. J'espère que ça va lui faire. Du coup les maillots en fait qui se font de petits sachets super trop mignon. Je fais la third Zafoul anniversary, parce que en fait je suis de Sadou, c'était leur troisième anniversaire et c'était mignon. Donc j'aime bien le packaging. En tout cas le packaging pour tous les produits il est super trop bien. Genre
Rien à dire. On passe maintenant à autre chose, et enfin aux accessoires. Et je parlais de ces lunettes. Donc là, des lunettes, je sais pas, aux yeux mais rien. Parce que, alors, en fait, j'ai un petit visage. Et du coup, les lunettes, c'est vraiment tant que j'arrive bon. Donc, il s'agit d'un fouet. On a des petites, à peine qui jouent mais rien. Donc, il a mis un truc chez lui. Donc voilà, je pense que j'en ai que là. Non mais sérieusement, je pense que j'en ai que là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je pense que j'en ai que là. Mais la qualité, ouais, là, vous sentez que c'est fort. Je sais dès que des traces, des breaks, c'est au jeu. Kassah, Khalif. Après ça, je sais pas, j'ai pas été film pour voir si ça fait de l'effet ou pas. Mais genre, voilà, c'est de la bonne qualité, sincèrement. Moi, je suis toujours je suis toujours satisfaite des produits d'Alzafone, leur qualité, j'ai tout essayé. J'ai essayé plein de noms, des jackets, des chaussures, des accessoires, des maillots. Et je suis toujours satisfaite. Côté accessoires, encore une fois, alors ce collier avec du faux cuir et le petit cercle en bas qui est super super trop mignon. Il est trop mignon. Un autre choker qui est en velours bleu avec une lune en doré. Il est super mignon aussi. J'aime bien. Et pour finir, alors je sais pas en finant, comme ça je vais vous montrer. En fait, j'ai enfin acheté les stylés French. J'en ai entendu parler depuis. Ouais, depuis qu'ils sont sortis. Et ouh! Ah, c'est bien! Et du coup, voilà, j'ai enfin mis mes mains dessus. Alors, à vous aussi, je vous mets. C'est non seulement des stylés French, mais c'est un des petits motifs au milieu. Et c'est super commun. J'ai pris la couleur mauve. Il y en avait d'autres couleurs, mais ouh! Non mais c'est trop mignon à toucher. C'est vraiment trop mignon à toucher. Et sûrement je vais les essayer chez vidéo de make-up pour montrer un peu comment ça marche. Sinon ça y est, on a la bête. Et pour finir, le dernier article, c'est la ceinture de haut belt. De haut wing. Je sais pas en fait. Elle a différents noms. Super différent. Mais c'est en fait, je pense que vous l'aurez, enfin, parce qu'on est déjà surtout un chez blogueuse, chez Instagrammer, ou là, je sais pas quoi. En tout cas, je l'adore bizarre. Et en fait, je sais même pas où j'ai ce côté ou pas. On va essayer. Non, on m'a filmé, j'adore ça, je suis trop enfin. Ok, sérieusement, la ceinture magnifique, bizarre. En fait, la tête maintenant, je vais vous montrer à quel point elle peut dire. Donc, vous pouvez aussi mettre un taille haute, un jean taille haute et que j'ai quelques dire rien. Moi, je mets du S si vous voulez genre, savoir un petit peu. Genre, vraiment, parfait. Donc, je pense que Raji met un jour quelle taille pour que vous. C'est fini pour ce haul, j'espère que je vous aime et que il y a des produits qui vous ont intéressé un petit peu. J'espère aussi que j'ai fait inclus une petite revue d'Exchange pour vous donner une petite idée. Elle a les produits d'Azarcool, surtout les produits mamés par exemple. J'espère que je vous aime. Si vous avez d'autres questions, l'Azarcool, alors j'ai écrit un article sur le blog il y a pas mal de temps. Sur mon blog, c'est akoumet.com. Et vous allez rubrique revue. Allez le call Zafoul, my story with Zafoul. Donc l'article il est écrit en anglais et en français, donc c'est comme vous voulez. Comme ça tout le monde est content. Et j'espère que ça vous plaira. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander, que ce soit sur Instagram, Snap ou n'importe où, même sur les commentaires. Et voilà. N'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Thank you.